Elle est comme on son dans le Banks. Elle n'a besoin que d'un playboy. Elle veut pas d'amour, faut que tu la payes, boy. Tu connais la devise, qu'on passe on t'a cette frappe perdre la tête comme t'es au Greyjoy. Je mets la grosse base dans le gamos. Y'a pas de lune dans le thermos. Je laisse coller une pour les bitches. Ça va trop vite dans mon cerveau. Aïe, comme le vaudou, j'ai la magie. Aïe, comme le vaudou, j'ai la magie. J'suis sur le coup comme elle, professeur Hustler. Aïe, comme le vaudou, j'ai la magie. Aïe, comme le vaudou, j'ai la magie. J'suis sur le coup comme elle, professeur Hustler. J'suis sur le coup comme elle, professeur Hustler. J'ai la magie, j'ai le mojo. J'fais les braques comme les projos. J'suis sur le coup comme elle, professeur. Pédirinard sur le dojo. J'suis dans le club avec Jojo. Pull up mon son dans la Ace. J'mets des Yankees dans la Ace. De quoi percer la couche d'ozone. J'prends le contrôle à la mesmer. Méticuleux, j'suis comme Dexter. On m'attend pas, j'suis comme Lester. Tu sais pas, faut que tu laisses faire. Ça parle aux écarts et vip et ça fait les pinces à peine arrivé dans le vestiaire. J'entends parler ça de Vester. J'préfère entendre claquer Lester. Aïe, fuck les tous. Aïe, chope les ous. Bonjour Tasco, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour le public qui ne te connaît pas encore? Ok, bonjour. Déjà merci Panam Rap de venir dans la Tascosphère. Donc ici Tasco, rappeur beatmaker, juste un passionné qui fait de la musique et qui a envie de transmettre ses émotions. Combien as-tu d'années d'activité à ton actif? Bah écoute, j'ai beaucoup d'années à mon activité, j'ai eu des pauses, j'ai procrastiné. Joué à PES pendant des années. Je me suis fait tirer les oreilles par des anciens collaborateurs et tout, mais je me suis remis dedans. On va dire que là, vraiment, tu vois, depuis 2012, depuis cette date-là, je suis reparti, j'ai travaillé sur Deadline. Un projet que j'ai fait, tu vois, pour tourner une page sur une période où j'étais dans un rap qui m'a vu naître. Un style, tu vois, comme par exemple les X-Men. Dont il, tu vois, pour moi qui est un des rappeurs qui m'a beaucoup inspiré, cet album qui vient de fêter ses 20 ans d'ailleurs, le 18 janvier là. Ça c'est ce qui m'a un peu inspiré, tu vois, j'ai commencé à écouter du rap avec Snoop Doggy Dogg à la base, tu vois, dans le début des années 90, mais après je suis vite arrivé sur la scène new-yorkaise, donc Bootcamp Click, YAKC, Gangsta Foundation, tout ça. Après, on a eu des projets avec mon ancien groupe S6, et puis aujourd'hui je suis là dans un délire Tasco, ça reste toujours du Tasco. À l'époque, comment ressemblait la scène rouanaise avec ton groupe SIST? Quelle expérience ça t'a apporté globalement à l'heure d'aujourd'hui? Bah, c'était une bande de potes, on chillait ensemble, tu vois, c'était la base, tu vois, c'était de prendre du plaisir, donc on chillait, on faisait des soirées. En fait, dans mon ancien groupe, le S6, on était 7. Il y avait deux rappeurs, il y avait même trois rappeurs, avec Baroque aussi qui était là. Et DJ Code, Jilali, Excuse, Della qui est arrivé par la suite.
Et donc c'était, on faisait des soirées toutes les deux semaines à peu près à Rouen. Soirée où ça passait du son, on se faisait plaisir, tu vois, c'était vraiment un bon délire. Et par contre, on n'a pas fait énormément de morceaux à ce moment-là parce qu'on était, je sais pas comment expliquer, mais on était peut-être pas assez efficace, tu vois. En termes de projet, on était plutôt dans le chill, quoi. Le soleil se couche, place à l'extrême pour ceux qui aiment traîner la nuit, sexe and drogue, esprit épanoui chez le rouleau vers 1h du mat. C'est comme au McDonald's, signe de soucis noyé dans l'alcool, c'est impardonnable. Et si j'observe le périmètre, je vois les trafics, loqueurs, centre-ville, signe de survie en marge d'histoire de zone pavillonnaire. Où vit le macro, si c'est qui touche des bars et des bars, mais plus que millionnaire. Depuis mai 2016, Deadline, ton premier projet solo, est sorti, ainsi que par sa suite, Deadline Partie 2 a vu le jour. As-tu produit tous les morceaux avant de les répartir dans les deux projets ou tu as une idée précise du track listing post-production? Ouais, j'ai à la base c'était un projet, un seul projet. Il y avait il devait y avoir 15-16 titres, après je les ai divisés en deux, j'ai rajouté quelques interludes. Sur ces projets-là, j'ai tout produit. C'est plus à base de samples. Ouais, j'aime pas les albums avec les gros track listings, tu vois, quand ça dépasse 14 titres, tu vois, pour moi ça commence à devenir un peu trop, donc c'est pour ça qu'on a réfléchi là-dessus. Et puis on s'est dit, on va couper le truc en deux et essayer de faire deux parties. Une partie Deadline, tu vois, qui reste un tournant, tu vois, par rapport à ma musique, tu vois, et le côté à l'ancienne avec un petit côté actuel. Deadline partie 2, c'est pas très abouti pour moi, tu vois, mais après ça représente toujours ce tournant, tu vois. Beaucoup de rapports sur la toile, je mets du caviar sur la table. Pour faire des vues, faut ramener quelques meufs à poil. Je veux laisser une empreinte sans passer par une fin à la James Dean. Je fais mon cinéma loin d'Hollywood. J'aime distraire les auditeurs comme Juicy à Memphis. Je suis pas un de ces charlots qui se prend pour Tupac. On rappe, on de la merde, fils. C'est dans le même effort d'écriture. Voilà. Ça a été fait en même temps et tout ça a été fait, écrit même, je dirais, avant 2010. Il y a des morceaux qui ont été écrits même en 2006, tu vois. Je disais que j'avais commencé en 2012, mais tu vois, il y a des choses, tu vois, que j'ai récupérées justement. C'est pour ça que vraiment, tu vois, ce projet-là, il tourne une page, tu vois, sur une période d'écriture, un fonctionnement, tu vois, aujourd'hui, je fonctionne différemment, donc voilà, c'est fini les papiers, les feuilles, les trucs à l'ancienne, tout ça. Alors, tu décris des personnages comme Eddie le Poissard, qui a un titre éponyme du nom du célèbre parieur de course de chevaux dans Il était une fois dans le Bronx. On voit que t'es un grand fan de cinéma, est-ce que tu t'identifies dans une situation de poissard comme ce bon vieux Eddie? Wow, j'ai été très poissard avec tout ce qui est côté match, là, enfin, parlons sport, tout ça. C'est pour ça que j'ai fait le morceau dans une période où si j'avais investi ce que j'avais perdu là-dedans, franchement, je pense que j'aurais pu faire des bonnes choses. Et c'est pour ça que j'étais légitime pour faire ce morceau. Et puis, Eddie le Poissard aussi, ça représente un personnage quelconque, mais dans un film. C'est il était une fois dans le monde. Attention, non, il a perdu. Putain, ça c'est pas vrai que ce putain de cheval est la mort où elle est. Quel enfoiré de cheval, c'est fou, je peux pas le croire. Si tu veux, j'ai un bon tuyau pour la prochaine course. Faire voir, Eddie le Poissard. J'adore ce film-là et j'adore le cinéma, pouvoir justement faire des un côté imagé, tu vois, par rapport au cinéma et. Le cinéma qui parle souvent de la communauté italo-américaine, la mafia, le Bronx, New York, ça me parle énormément. Donc, et puis je trouvais, ça m'avait marqué, c'est des choses qui te marquent. Et puis tu vois, quand j'ai fait le morceau, j'avais pas encore l'interlude. Et puis après, je me suis dit, ah vas-y, tu vois, il faut que je mette ce petit côté Eddie Poissard, tu vois. Et puis ça rentre direct, tu vois. C'est je dirais comme par exemple le morceau que Booba avait fait, Jimmy deux fois. Ouais, tu vois, Jimmy deux fois. Pareil. Je retourne chercher mes clubs. Voilà, ça nous a marqué, tu vois, c'est un bon délire. Jimmy deux fois, qu'on avait surnommé comme ça parce qu'il répétait tout deux fois. Je vais chercher des clubs. À la suite de ces deux projets, tu envoies Zaza comme single pour préparer la suite et Chou, ton troisième projet arrive sur le feu, avec des sonorités éthérées sur plusieurs sons, avec un contraste fort donc avec ce qui s'est fait précédemment et des paris plutôt couillus comme miel. Comment as-tu ficelé ce troisième projet? Avec qui t'es-tu entouré et combien de temps de réalisation ça t'a? Bah, ce projet-là, comparé à Deadline, c'est un projet qui s'est fait beaucoup plus spontanément. Deadline, justement, tu vois, il fallait accoucher du premier bébé, on va dire. Donc, tu vois, ça a pris plus de temps. Et non, chaud, tu vois, c'était... j'ai écouté la dose de Type Beat. Tu vois, il y a beaucoup de Type Beat. De toute façon, la plupart des morceaux
sur ce projet-là, c'est des Thai Beats, c'est des producteurs que je connais pas, tu vois, personnellement, à part certains, dont un mec, tu vois, qui se dédicace, qui s'appelle Ayton, qui est un mec de Rouen, tu vois, qui avait fait Jardin Secret. Le but, là, c'était vraiment, tu vois, la facilité. T'écoutes des sons, t'écoutes la dose de son, si tu écoutes tes demi-prod, je sais pas, et puis voilà, tu vois, ça t'inspire direct, et c'était le côté efficacité, tu vois. Je voulais plus perdre du temps, tu vois, qu'il y ait trop de latence, tu vois, entre l'idée, tu vois, l'émotion sur le moment et la sortie du projet, tu vois, du morceau. Tu es vraisemblablement un vrai chineur de samples. Quels sont, pourrais-tu donner un top 3 des plus beaux samples de rap selon toi, FR comme US? Je vais te dire par exemple le sample de Steaky Zite, tu vois, de la Soul, tu vois, Ahmad Jamal, je me rappelle plus le nom du morceau, mais ça c'est un truc qui m'a, ça m'a fait vibrer de ouf. Il y a plein de choses, tu vois, par exemple Glass, tu vois, je l'ai pas sorti, mais j'ai déjà samplé dans un morceau, je sais plus quel que c'est, Glass, super groupe de funk d'ailleurs, je vous conseille d'écouter ça, là, featuring John Williams. J'aime bien le jazz mixé, tu vois, mélangé, tu vois, des sonorités trap. À l'époque, quand je produisais, j'étais beaucoup, tu vois, je pouvais sampler du son à la Marvin Gaye, tu vois, des artistes moins connus. Tu vois, des fois, on cherche vraiment des trucs moins connus, des sons un peu psychédéliques, soul, années 70, il y a des putains de trucs, mais ouais, c'est pour ça que je peux pas trop dire de Blast, mais voilà, c'est une ambiance toujours un peu black music. Après, tu peux trouver dans n'importe quel style de musique, dans le rock, même dans l'électro, techno, tu peux trouver partout. Quel fut ton meilleur souvenir sur scène? Mon meilleur souvenir sur scène, j'ai fait des scènes dernièrement, tu vois, j'ai fait des premières parties pour des artistes qui ont leur fanbase, leur public, comme Caballero, Jean Jass et Jimmy Burbigo. Et aujourd'hui, tu vois, c'est un public très jeune. Voir un côté positif dans le sens où c'est pas que le public il est acquis facilement. Certes, c'est un public qui a envie de s'enjailler plus facilement. J'ai connu les scènes où les mecs sont droits comme des piquets, tu vois. Ils sont comme ça, tu vois. Ils bougent pas, mais ils kiffent autant, tu vois. Ils sont plus. D'ailleurs, moi, je suis un peu comme ça des fois, tu vois. Mais c'est vrai que, tu vois, quand t'es sur scène, tu vois, c'est une question d'énergie, tu vois, tu te donnes de l'énergie et les gens, tu vois, qui pogotent, qui sont là en train de faire un pogo, tu vois, qui rappent des paroles, pourtant, tu vois, ça n'a pas fait un single à la radio, tu vois, ça t'enjaille et tout. Donc, je dirais, là, par exemple, dernièrement, Caballero Jean-Jean, c'était un bon délire. J'ai kiffé, tu vois. Je suis dans ce délire, de toute façon, aujourd'hui, moi, j'ai envie de transpirer sur scène, j'ai envie de faire transpirer les gens. Je suis pas trop dans le délire cérébral, tu vois. C'est vraiment, il faut qu'il y ait un peu de tout, tu vois, une émotion. Il faut que les lyrics, tu vois, ça représente quelque chose, mais vraiment, l'énergie, c'est important. Tu enregistres au studio La Goutte. Avec qui t'entoures-tu pour bosser en ce moment? Bah écoute, déjà, un gros big up à Jean de la Sablière, tu vois, qui a enregistré Deadline Partie 2, et Show, trois projets qui sont sortis dernièrement. Moi, lui, c'est vraiment une super personne, tu vois, quelqu'un qui connaît, qui a l'oreille, qui connaît très bien la musique, qui a les. Bon conseil, soit on l'a fait au studio La Goutte, avant on se débrouillait autrement. On a fait ça vraiment en home studio, c'était plus simple. J'espère pouvoir continuer à travailler avec lui parce que maintenant on se connaît très bien, il me connaît. Et c'est vraiment une super personne qui peut te diriger, te conseiller, mixer, tu vois. Au début, j'étais moi en plus vraiment casse-couille. Tu vois, il m'envoyait la version 1 et puis on en était à la version 20 à la fin, tu vois, sur un morceau, tu vois, genre les modifs. Il y avait la dose de modifs. Et aujourd'hui, il n'y a plus trop besoin, tu vois, parce que vraiment, c'est un échange, tu vois, il y a un feeling et tout. Et donc, les studios La Goutte, super, avec plusieurs autres personnes, comme Cal, qui fait des sons très bien, et aussi, très important, Wallstar, Gary, tu vois, qui travaille avec Jean, tu vois, au niveau de l'enregistrement, du mix, et Libitum aussi, tu vois, qui a, d'ailleurs, il a aidé, tu vois, sur la pochette de show, c'est lui qui a fait la photo. Et j'ai travaillé avec un autre gars, Julien Nicolas, tu vois, qui s'occupe vraiment de l'artwork final, tu vois, pour tout ce qui est photographie, tout ça, voilà, ouais. Retouche. Et donc, c'est vraiment une bonne équipe, les studios La Goutte à Rouen, c'est quelque chose qui très important, qui monte et qui a un bon carrefour, qui est très important pour la ville de Rouen, qui a besoin de ça, justement. As-tu un projet prévu cette année, donc, pour 2019? Ouais, j'ai un projet. Alors, à la base, tu vois, les plans, ils changent toujours, tu vois, en cours de route. J'ai même deux projets. J'ai un projet qui est terminé depuis 6 mois. Et là, il est en master.
il passe au master. Donc c'est un projet qui s'appelle Escape to Paradise. C'est un projet qui va se décliner en forme de single. Dessus, il y a vraiment un délire trap, un délire caliente, tu vois, un délire un peu son soleil à la Tasco, tu vois, j'aime ce délire-là. Je fais tout ce que j'aime en fait dessus, je me fais plaisir, je prends plus de plaisir, tu vois, sur ce projet que même show deadline. Et là, je commence, tu vois, à être plus spontané, tu vois, il y a moins de latence, tu vois, les choses, je les fais, tu vois, ils sont dans l'air du temps. Escape to Paradise, tu vois, il faut que ce soit un projet, tu vas en vacances, tu mets le son, tu vois, t'es là sur l'autoroute, tranquille, tu vois, il faut que, tu vois, ça t'enjaille bien, tu vois, dans un bon délire, tout en racontant des choses, normal, mais voilà, Escape to Paradise, hashtag Escape to Paradise. Yeah. As-tu un mot de la fin, des dédicaces à passer, la famille, les amis, la famille? Bah écoute, je dédicace, ouais, à toutes les personnes qui prennent le temps, tu vois, d'écouter et puis qui donnent des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, tout est bon à prendre. Merci pour tout, Atasco. Merci à vous, merci Panam Rap, dédicace à vous. Franchement, je vous souhaite que du bon, du long vie. Merci bien. Lourd. Ça, écoute ça. Yeah. So, work that body, do something, it's something.